Et si seulement elle avait raison. Alors que je me suis toujours battu dans la vie pour être ce que je suis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Zachary. Félicitations, vous avez été promu. Sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique à la une. Directeur général, notre invité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. Je pense que nous pouvons commencer. Durant ces 6 derniers mois, toute entreprise. Désolé, monsieur. Désolé pour le retard. J'étais en train de filiter les 10 derniers tubes pour la livraison de cet après-midi. Je vous en prie. Je disais tantôt que l'entreprise a perdu la moitié de son capital. Nos acheteurs et nos fournisseurs ne nous font plus confiance. Nous avons perdu notre crédibilité face à nos créanciers. Notre production est du moins inacceptable. Nos produits sont de moins en moins demandés sur le marché mondial. Ces statistiques n'ont pas réjoui notre PDG. Et des mesures drastiques ont été prises. Et qu'est-ce qu'il propose? Augmentation des heures de travail. On passerait de 8 heures de travail à 10 heures de travail par jour. Y compris le samedi. On avait possibilité de faire des escales le dimanche. Une canette du salaire. Yes, you're right. What about salary? Le salaire reste fixe. Pour toute revendication, le PDG le reçoit demain à la même heure. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, I don't have any problem with this decision. Dans ce cas, la séance est levée. Toxic, DJ, gros du mic boxing. Dans l'oreille, il y a que la putain de toxine. Un bloc de 12 ou de 16, le jeu chrono. Y'a pas de promo, mais juste un putain de jeu. Que pensez-vous des nouvelles mesures prises par l'entreprise? Nous sommes obligés, nous sommes à faire une nouvelle mesure. Que pouvons-nous faire d'autre? Non, ce travail est fini. Non. Nous devons gréver. Mais... En manifestant. Man. En réclamant nos droits. Non. Il va trouver des solutions pour nous. Non, man. You can't say like this. You know about my fucking life. You know I have a family. I should take care about them. And for this, I can't be with you tonight. Okay? Les gars, moi je trouve qu'il a raison. Je trouve qu'il a raison. Ne trouve pas-t-il qu'ils ont raison? Nous avons des responsabilités. Donc c'est parce que nous avons des responsabilités que ce patron, ce fils de pute, cet enfant bâtard, te permet de tout changer sans notre consentement? Non. Je dis bien non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes au 21e siècle, mon frère. Tu ne peux te tenir des responsabilités pour ton patron. C'est lui qui te permet de vivre et de prendre soin de ta famille. Mais penses-tu qu'il me paye pour mes beaux yeux? Il me donne ma paye chaque fin du mois parce qu'il me la doit. Je suis un homme de métier, mon frère. Je travaille dur pour avoir mon pain quotidien. Tu m'as compris? On doit trouver des solutions. Moi, je démissionne. Si je ne trouve pas des solutions, moi, je démissionne. Bon, calme-toi. Allons prendre un billet. J'espère que ça va calmer tes ardeurs. Merci. Désolé pour le retard, monsieur. J'ai félicité les 10 derniers tubes. Mais c'est un vrai que vous êtes toujours en retard. De tenir des réseaux pour ton patron. Tu gères la facture ici. Tu fais quoi là? Je vous présente votre PDG. Ce fils de pute! Cet enfant bâtard! Vous
vous êtes renvoyé pour manque de respect, injure à l'égard de votre patron. Du salaire. Nous allons plus au temps, monsieur. Le temps que les filles étaient les derniers tirs pour la livraison de son. C'est après-midi. Nous allons plus au temps, monsieur. Je tente de filiter les 10 derniers tirs que vous m'avez confié ce matin pour la livraison de cet après-midi. Ces statistiques n'ont pas plu nos couplets. Ces statistiques n'ont pas du tout plu.